J'ai même pas update, c'est vrai, merde. Y'a personne au cœur. Oh. Au truc là. À la régie. Golden Kiwi. Le Kirby jaune. Pas faire de blague. Ah non, c'est 1-0 pour Tony. Il est où le Kirby? Voilà, il est jaune. Bon, allez. Oh, il a pris la première stock, j'ai pas vu comment, mais c'est pas bien. Hein. C'est bien, mais attention là, Tony en format de LH Trap. Un bon. L'embro, il est bon. Ok. Là, ça, il mixe bien ce timing un peu pour. Et sa hauteur pour un peu mix-up et genre tromper Tony dans la façon dont il va revenir. Ouais. Ok, il a pris le truc, il a pris le pouvoir. Je croyais qu'il a essayé de genre le. Comment on appelle ça là? Le mettre dehors. Ok, neutral B, c'est pas mal, ça m'a fait rire. Ok, what the fuck? Je pense que F-Smash n'était pas fait exprès. Et what the fuck, il est resté en dessous. Alors ça, t'as 200 ans pour réagir. F-Tilt, il a essayé de catch avec... Supra, parle pas trop, tu vas te faire laver par Golden après. Mais... Je critique personne.
Je vois du beau jeu. Oh, le... il est passé au-dessus de son pied. L'épée est passée en dessous du pied. Ok, là c'est un petit avantage pour Golden Kiwi. Ok, mais déjà il y a toi en plus. En mode tu vas pas gagner. Alors c'est rien, mec. Ouais. T'as 8000 heures, moi j'ai 200 heures. 8000, ça augmente. Ça augmente quand je joue pas. Bah oui. Ça augmente à chaque jour. T'as pas 200 heures, ça va mentir de merde. J'en ai 3. 300. Eh, hey, les downers. Oh non, le reverse. Le petit chat. 95. J'étais même pas né. Ok, le petit side burly. Oh. Bah ouais. Comme un poisson. Ah putain, allez. Ok, il adore faire ça, il adore gober. Et genre, prendre le pouvoir quoi. Pas essayer de. Arnaquer. Oh, le smash, what the fuck. C'est, ça a marché. Ok. Ok. Oh. Le smash, il chatte un peu. Le. Il a fast fall air dodge, il aurait pu catch ça. What the fuck, il a bien bourré en désa là. Attention. Ok, up air. Ça touche personne, il reste un peu safe, mais. Le up throw qui tue. Pas. Ok, il va chercher à land. Beau, beau petit. Waouh, c'est passé au-dessus. Genre, comment on appelle ça? Il faisait des bons mix-up en DSA avec la side B pour bouger. Mais. Et. Golden Kiwi qui se faufile, genre. Il se faufile vraiment peu. Il se faufile entre les hitbox de Chrome pour les punir. C'est pas mal. Kirby en plus, bizarrement, ça a des grosses hitbox, Kirby. Je crois que le F-Mat a battu d'un team de Chrome. Ouais, normal. Mais si ça bat pas beaucoup, tu vois pourquoi. Ouais, mais c'est abusé. C'est le F-Mat oui. De Sonic en moins fort. Mais non. Ah ouais, je vois un peu le truc. En moins fort. Parce que bon, faut pas abuser quand même. Heureusement. Oui. Oh là. Oh, putain, yes. Il y a une pop-up. Hey, on l'a vu en caméra, regarde. Regarde-moi ça. Je pense qu'on peut dire que Lion a gagné son set. Je pense, hein. Ah, t'as gagné avec Kairoul. Oui. Oh, il a gagné contre Kairoul. Oui. Il a gagné contre son perso. Enfin. Oh, pas de chat sur le deuxième down cheat. Souvent en chateau, ce deuxième down cheat. En mode il va. Il trip quoi. Il arrive pas à faire ses jab back air. Il va dire à l'écran. Hein. J'arrive, j'entends, je sens l'excuse sur l'écran arriver là. Après il aura pas tort mais. Il a pas complètement tort après. Les écrans ils sont pas excellents. Ok, les belles phases avantage, il te met direct off stage en ledge trap et déjà là il est en meilleure position. Il est en bonne position plutôt. Ok ouais voilà. Ce qui est fort avec Tony, c'est que souvent, quand il a une phase d'avantage, il te met à l'autre bout du terrain. Et il fait exprès parce que, bien sûr, c'est la. C'est genre les phases où il a l'avantage, quoi. C'est le ledge trap, il le gère bien en plus. Ok, il a même pas galé d'attaque. Il réagit pas assez vite, souvent, Tony. Ça, c'est un petit défaut qu'il a. Il joue beaucoup trop en prévention. Voilà, il a eu pas mal de temps pour réagir quand même. Je sais pas s'il pouvait rester 2 heures sur le truc, sur le down B et genre ne jamais se faire punir. Ok, il est mort. Putain, il a failli revenir. J'étais à 100% quand même. Ok, le down cheat qui genre. down cheat qui genre. Il s'en bat les couilles. Ce qui est marrant, c'est qu'il s'en bat les couilles de l'épée. Genre, il est en mode ouais, moi j'ai mes pieds. Et voilà. Ok, les phases, hein, les grosses phases. What the fuck, comment il a grab le ledge? Les mains sont magnétiques dans ce jeu. Ok, le back air il touche pas. Ok. Kirby est trop flotty pour tomber aussi rapidement. Ok, le B. Ah. Ok. Down cheat. Ok. T'as rempli. On sait pas. 3-0, ok. Ok. Voilà, ça devient un peu dur. Hein. Il est en edge trap. Ouais. Vraiment ce jab, tu peux même pas le punir.
faut parier. Faut vraiment essayer de parier si tu veux vraiment punir le diable ou sinon respecter et désengager. Si t'as pas de. Assez. De. Comment on appelle ça là ? Out of shield, assez rapide. Y'a personne. C'est presque pareil, parce que personne t'entend. Ta gueule. Bon allez, on retourne dans le match. Bon allez. J'espère qu'on m'entend. Bon allez, déjà il fasse de ledge trap là, en 2 secondes de partie. À chaque fois ce qu'il fait c'est Tony, c'est il t'envoie dans un des bouts du stage et il te met en ledge trap. Sans winning condition, c'est te mettre en ledge trap. Et là, il s'est fait reverse. Oh la chatte. Ouais, il savait. Charquez-le du casse, putain. Concentre-toi sur ton match. Ah, attention, par contre, down cheat, F-smash. Si tu take pas... Je vais venir t'aider. Vas-y. Bien joué. Par contre, le fait Parce que sinon Tony va se lever, il va te péter la gueule. Le fait qu'il peut survivre quand même très bien au downer de Yoshi, de Kirby, putain. Avec Chrome, avec le B de Chrome, il va tellement haut en fait qu'il peut survivre à un downer à 100%. Quoi. Ah oui, ouais. Bah en vrai, c'est pas mal Kiwi qui se foire sur ses dires. Ouais, mais genre à un moment il a plus de saut, tu vois, et du coup il est obligé de revenir. Ah oui, genre si tu parles en Rico vertical. Ouais. Ah ouais, ok. Ouais, donc il downer, genre vraiment, c'est pas si simple en fait de Edgeguard Chrome, je pense, dans ce match-up. Après, t'es mal la gueule du spike de Kirby, frère. Ouais. Non, mais justement, il est très fort, mais genre contre Chrome, c'est pas si fort. Hein. Parce que la verticale, il va tellement haut verticalement en fait. Genre là, il a downer à 100%, il est pas mort, quoi. On voit la F-throw, c'est bien tech. Tu vois, bim, direct en ledge trap, et là il est bien là, il reste dans ses positions à part se faire bouffer là. En reverse complet. Et Golden Queen, il y a un truc qu'il aime trop faire, c'est prendre les pouvoirs et pas en faire grand chose après. genre juste il t'avale pour te casser les couilles. Ouais, tu sais, il avait dit le truc, c'était par rapport à Falco, il trouvait que c'était important dans le match-up de avaler le laser. Ah ouais? Ouais, okay. Il trouvait vraiment important, mais dans ce match-up, je pense pas que c'est pareil, honnêtement. Enfin, vu le neutral B de... Ah, déjà Bakar, ouais, bien vu. Ouais. Bon, là, il a rien pu faire. Hein. L'important, c'est encore. L'important, c'est aux questions. Ils arrivent sur le stream, ils entendent rien. Attends.